Frédéric Lavandé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant des établissements Maïstre, entreprise spécialisée dans le négoce en boissons. Tout à fait, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est distribution de boissons, plutôt orienté vers ce qui est le CHR, café, hôtel, restaurant, où nous commercialisons de la brasserie, des vins fins, de la bière et des spiritueux. Votre entreprise a été créée il y a combien de temps ? Oula, c'est une vieille dame, c'est une entreprise de 1912 qui a été transmise de père en fils et je l'ai repris en 2012 pour ses 100 ans. Vous avez été accompagné par la Chambre de commerce dans votre stratégie de développement externe. Concrètement, ça s'est traduit comment ? Cet accompagnement a été organisé avec la Chambre de commerce sur une proposition de plusieurs établissements parce que j'avais un souhait de reprendre une cave. La Chambre de commerce et d'industrie m'a sélectionné plusieurs établissements et il y en a un qui m'avait intéressé déjà de longue date. Je lui ai précisé l'établissement et après on a fait un travail de fond et elle nous a mis en relation entre le vendeur et nous a permis de faire ce lien et de pouvoir aller jusqu'au bout de la négociation en étant accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie. Cette cave est située où ? Cette cave est située à Cannes. La personne qui voulait partir souhaitait partir à la retraite et chercher à vendre. Et c'était la première fois que vous faisiez appel à la Chambre de commerce pour vous accompagner dans une telle démarche ? Pour du développement externe, tout à fait. Sinon, on a souvent sollicité la Chambre de commerce, qui est un partenaire des entreprises, hein, un accompagnateur pour d'autres projets, mais pour l'acquisition et le développement externe, c'était la première fois. Oui. Donc c'est la première fois que vous faites appel à la Chambre de commerce pour vous accompagner dans une telle démarche. Quels ont été pour vous les avantages ? L'avantage dans ce genre de discussion, c'est d'avoir une interface au travers de la Chambre de commerce, un sérieux, hein, et une position qui est neutre entre le vendeur et l'acheteur. La Chambre de commerce a été facilitateur de cette transaction. Et votre démarche, finalement, elle a abouti ? Tout à fait. Nous avons finalisé la transaction en 2019 et ça s'est très bien passé. Au revoir, Frédéric Lavandé. Au revoir. Merci pour cet entretien. Bien.